C'est important et historique que ça ait été fait. Pas seulement par des tribunaux, mais par le Congrès aussi, et que le président lui-même dise que cet espionnage massif devait s'arrêter. Mais quand on pense de manière optimiste, et quand les gens disent que nous avons arrêté ce programme de surveillance que tout le monde considère comme illégal et inefficace, est-ce suffisant? Est-ce la seule chose dont nous avons besoin et qui va changer? La réponse est non. Ce n'est pas suffisant. C'est une première étape.